Il n'y a pas vraiment pour moi de cuisine d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Il y a des cuisines, il y a des modes d'expression dans l'assiette qui font qu'on se livre dans une assiette, qu'on met notre personnalité, nos tripes et tout notre amour dans une assiette. Et je pense que la seule cuisine, c'est la bonne, qu'elle soit d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. La passion, la motivation, c'est les mots essentiels. Chaque matin quand je me lève, il n'y a pas un seul jour où je ne viens pas avec le sourire, avec la même envie de venir dans mon restaurant. C'est une vocation, des fois. Parce que bon, c'est une vocation, c'est... On va pas rentrer dans le freudien, mais bon, il y a une façon de faire. Hein. Vouloir beaucoup donner de plaisir et essayer d'exister. Je crois que, très franchement, c'est la gourmandise qui m'a guidé. Et puis après, du haut de mes 11 ans, mon parrain m'a offert la cuisine du marché de Paul Bocuse. Et là, ça a été l'élément déclencheur définitif et la passion était devenue une vocation. Et donc, du coup, j'ai embrassé cette carrière assez jeune puisque à 13 ans et demi, je suis déjà arrivé dans les premières cuisines qui m'ont accueilli chez Joseph Delphin à Nantes. Avec les années, on se forge et on puise dans tout ce qu'on a pu apprendre avant et voir pour après l'intégrer et puis le ressortir à sa manière. Mais on ne peut pas devenir chef sans être inspiré par les gens, les gens qui vous ont formé, ça c'est évident. Je suis très inspirée par les produits, par les influences de voyage. Après, il y a évidemment des grands chefs qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai pas vraiment d'inspiration, de personne d'inspiration, si ce n'est à mes enfants et ma famille. Finalement, je trouve ma source d'inspiration chez ceux que j'aime. Ma mère m'a beaucoup appris parce qu'elle avait de très beaux. C'était de tout ce qu'elle pouvait toucher, elle le rendait sublime. D'un produit très simple, elle arrivait à donner une dimension qui était vraiment, c'était très bon. Je pense que c'est toutes les mamans. La cuisine, c'est un art. Donc l'art, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est tout ça à la fois. Donc aujourd'hui, quand on fait un plat, la première question, enfin, en tout cas que je me pose, c'est pas de savoir si le plat est joli, c'est pas de savoir s'il est bon, c'est pas de savoir s'il va plaire, c'est de savoir s'il va offrir une émotion au client. Conseil que je pourrais donner à un jeune qui se lance dans la cuisine, c'est surtout de ne pas se lancer dans la cuisine sans que ça lui brûle les tripes, sans avoir ce qu'on appelle ce feu sacré, cette passion qui fait que ce métier est merveilleux et qu'on le vit plutôt que de le subir. Je ne suis pas un character, mais je me suis dit que je suis un peu plus de temps et je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je ne suis pas un manager, mais je suis un peu plus de temps. やれば絶対パリでももちろん東京でもどこででも多分お客さんはついてくるし。Il faut installer les jeunes dans cette cuisine d'aujourd'hui, dans le monde où ils vivent, et ça c'est pas simple parce que les exigences aujourd'hui sont peut-être encore plus élevées qu'hier, et donc il faut vraiment les accompagner pour qu'ils puissent être demain les formateurs qui vont faire progresser encore cette cuisine. Mais ce que je veux qu'ils gardent, c'est la cuisiner avec du sens. Goûter et juste servir des bonnes choses.